Bonjour. Lorsqu'on place une cellule végétale avec sa forme géométrique spécifique dans un milieu où il n'y a que de l'eau distillée, ce milieu sera considéré comme un milieu moins concentré par rapport au milieu intracellulaire représenté par la vacuole. Ainsi, la matière qui se trouve dans la vacuole se trouve à une certaine concentration qui donnera une certaine molarité, ce qui entraînera une pression osmotique intérieure supérieure à la pression osmotique extérieure. Cette différence de pression osmotique entre l'extérieur et l'intérieur fera que le milieu extracellulaire sera un milieu, pardon, le milieu intracellulaire sera un milieu hypertonique et le milieu extracellulaire sera un milieu hypotonique. Cette différence de pression entraînera alors le passage de l'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire par le phénomène d'osmose. Le résultat est que la vacuole va se remplir et la cellule deviendra alors une cellule turgescente avec un cytoplasme presque impossible à voir vu que la membrane cytoplasmique sera collée grâce à la vacuole à la paroi cellulosique. Merci.